tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve de la vie. Coucou les loulous. Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien les chéris. Oui. Oui. Et les copains, on espère que vous allez bien aussi, hein. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur une nouveauté, quelque chose qui vient de sortir et Corentin et Océane ne savent pas encore ce que c'est et n'en ont jamais eu. Mais je pense que Corentin et Océane, quand ils vont savoir ce que c'est, enfin, surtout Corentin, ils vont être super contents. Pourquoi c'est un truc Star Wars ? Non. Est-ce que tu veux savoir et vous les petits copains, vous voulez savoir ? Oui. Alors ? Suspense, suspense. Alors, c'est une vidéo sur des surprises. Yo-kai, waouh! Waouh! Nous en avons une. La bleue, la bleue. Deux. La bleue. Yo-kai Watch, oui ou non? Waouh! Quatre. Cinq. Six. Et 8 pochettes surprises. Alors les enfants, il faut savoir que Yo-kai Watch, c'est une série qui est sortie juste avant la rentrée. Donc le lundi de la semaine de la rentrée. Je suis fan de ça, moi. Ouais, Corentin est absolument fan de Yo-kai Watch. Alors c'est un dessin animé sur Gulli avec un petit garçon. C'est un peu comme le même principe que Pokémon. Oui, avec un petit garçon qui a une montre et qui fait apparaître les yokai. Enfin, Corentin. Ça s'appelle une Yo-kai Watch. Voilà, avec une Yo-kai Watch. Et en fait, les humains ne peuvent pas les voir. Voilà. Mais c'est qu'avec une Yo-kai Watch. Et dans cette montre, il y a des petits médaillons. Donc là, nous avons 3 médaillons de yokai dans chaque paquet. Donc nous avons au total 8. Oui. Paquet de 3 yokai, enfin de 3 médaillons yokai, donc ça nous fait 24 médaillons Yo-kai Watch. Alors vous voulez les ouvrir? Oh oui! Alors qui commence à ouvrir le ciseau? Ouais! Oh, c'est un plus rapide. Alors, tu m'en donnes un? Alors on a besoin de ciseaux parce qu'il n'y a pas d'encoche sur le côté, donc voilà, donc il y en a 3 à collectionner, mais ça je vous l'ai déjà dit. Donc 3 yokai. Moi je viens voir la vraie et c'est la bleue. Hop, pour Océane et Corentin, lequel tu veux ouvrir? Celui-ci? Alors c'est la série 1 les enfants, c'est marqué série 1 parce que pour le moment on est au tout début vu que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Mais Corentin est super fan. Là c'est Loup Barbare et les enfants tournent mal avec lui. Alors Corentin commence déjà à connaître le nom des personnages, hein, tellement il adore. Donc ça se présente comment? Ah mais non. Alors, découverte du produit. Oh, bon, Océane, tu veux que je t'aide à l'ouvrir? Oui. Oui, hein. Oui, ça a l'air très dur à ouvrir, donc voilà, c'est un petit sachet. Il y en a 2, enfin 3. Et c'est séparé en 2, donc d'un côté, il y a le flyer et 2 médailles d'un côté et une médaille de l'autre. Donc, je l'ouvre pour Océane. Hop. Ouh, j'ai déjà en 2 bois. Voilà. On va te médailles, Océane. Et ensuite, la dernière. Hop là. Et les petits flyers. Donc voilà, les flyers. Oula, il est grand. Un peu comme les shoppings. Regardez le flyer. Il y a beaucoup de yokai parce qu'il y en a 200. Wow. Il y a 200 yokai. Il y en a 200. Oh, il y en a aussi derrière, regardez. Alors nous avons plusieurs éléments. Donc les bienveillants, les insaisissables, les braves, les costauds, les sombres, les mystérieux et les mignons. Bien sûr les sinistres. On voudrait bien voir la montre. Ah, vous voulez voir la montre? Mais peut-être dans une prochaine vidéo on aura la montre. Qui sait? Alors maman, elle n'arrive pas à suivre, il y a tellement à ouvrir. Oh, j'en ai un élément mignon. C'est quels les éléments fleurs?
les éléments avec la fleur, c'est qu'un élément mignon. Merci, c'est quoi? Alors, les éléments avec la fleur, c'est des éléments bienveillants. Ah bah, moi, j'ai un veillant, un mignon. Ah oui? Et après, alors, j'en ai Océane un autre a veillant. Eu... J'ai deux veillants et un mignon. Elle a eu... Je ne sais pas comment il s'appelle, j'arrive pas à lire. Donc... Bah oui. Hop, je suis là. Donc, voici. Donc, lui, c'est qui, lui? Lui, c'est un élément jaune. Donc, l'élément jaune. C'est un mystérieux. Ah, moi, j'ai pas d'élément mystérieux. Moi, c'est deux veillants. Moi, c'est deux veillants et un mignon. Pour les premiers. Il n'y a pas marqué leur nom dessus? Non. Bizarre. Donc voilà pour le deuxième d'Océane. Le troisième. Voilà. C'est pas bizarre, vous avez... Je pense qu'après, dans le résumé, on va tous les ranger par ordre. Et comme ça, on donnera le nom de tous les yokai. Oh, il y a Titou aussi. Il y a Titou? Oui, c'est lui. Oh. Alors, je pense qu'on va tous les ouvrir. On va accélérer un peu parce qu'il y en a beaucoup. Et après, on va vous faire vraiment le résumé avec les noms, les catégories de tout le monde. Le jour comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont ici. Ils sont partout pour notre grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes. Pour que la nuit, vous perdiez le sommeil. Je vous présente cet ami qui est de taille. Il réussit à voir les yokai. Yokai, yokai, voici. Des copains fantastiques partout pour l'accompagner. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai. Alors là, nous avons les éléments, donc les éléments bienveillants. Donc bien sûr, on en a eu un triple, ceci un double, et celui-là, ben on n'en a eu qu'un seul. Alors les petits copains, nous ne connaissons pas les noms, donc si vous les connaissez, dites-nous-le dans les... commentaires. Dans les commentaires, ce sera sympa. Alors, est-ce que toi tu les connais les noms de ceux-là? Quelques-uns, mais pas ceux-là, non. Pas ceux-là. Bah, tu nous diras ce que tu connais après. Ensuite, on continue avec les éléments insaisissables. Donc, Quanta, est-ce que tu connais les prénoms, toi? Ils sont insaisissables. Oui. Le serpent, je m'en rappelle plus. Ah, et lui? Oui, lui, je m'en rappelle plus. Ah, bah, il s'en rappelle plus. Donc, si vous pouvez le dire aussi dans les... commentaires. Dans les commentaires. Ensuite, on va passer au... éléments braves. Pour les braves, nous en avons eu deux. Alors sur les deux, il y en a un super joli. Je vais vous montrer, c'est celui-ci, qui est brillant et transparent. Il est trop trop beau. Voilà. Donc je sais pas si vous connaissez les noms. Corentin, tu les connais? Non, pas ceux-là. Toujours pareil, dans les commentaires. Et on passe tout de suite à l'élément costaud. Alors costaud, on en a eu pas mal. Pour les costauds, nous en avons eu pas mal. Nous avons eu donc celui-ci en double et le reste, ce sera des... on n'en aura eu qu'un seul. Alors celui-ci, est-ce que tu connais le prénom? Loup Barbare pour cela et pour les autres, non. Loup Barbare, donc voilà, Loup Barbare. Et ensuite, pour les autres, je vous montre. Donc on a ceci, mais encore... Cela. Alors regardez, on en a deux qui sont brillants, qui sont super beaux. Ah bah, moi je trouve ça dommage qu'ils aient pas marqué les noms sur les médailles. Si, ils les ont marqués. Ouais, mais bon, si vous arrivez à lire quelque chose... Je comprends rien, moi. Donc voilà. C'est un truc japonais. Ensuite, c'est on va passer aux éléments. Alors nous, on n'a pas de sombre, mais aux mystérieux. Voilà pour les éléments mystérieux. Donc est-ce que Corentin, tu connais les noms? Je connais celui-là qui s'appelle Titou. Titou. Et celui-ci? Non, je ne vous connaissez pas encore. Voilà pour les éléments. Donc pareil, si vous connaissez le nom, toujours dans les commentaires, ça n'a pas changé. Et pour finir, nous avons eu des éléments mignons. Alors voici pour les mignons. Alors celui-ci, tu connais? Jibon, non, Bandignan, voilà. Bandignan. Ensuite, moi je connais aucun, je suis désolée les amis. Non, celui-là non. Celui-là, non, que nous avons eu en double. Et ensuite, oups là, pardon.
Celui-ci, non? Non, pas celui-là. Et celui-là non plus. Si, celui-là, j'ai déjà vu. À mon avis, c'est un squack, lui. À mon avis. Alors, les copains, toujours dans les commentaires, si vous connaissez les noms de certains, ce sera super sympa. Alors, les amis, oui, Océane est partie jouer avec ses poupées et ses My Little Pony. Donc, voilà, on se retrouve avec Corentin. Le bon Corentin, c'est le plus fan des Yo-Kai Watch des deux, hein. Bon. Oui. Oui, parce qu'il est plus grand, Océane est un peu plus petite. Alors, les amis, on tenait vraiment à vous remercier. Pourquoi, Corentin? Parce que vous êtes 600 abonnés. Oui, vous êtes plus de 600 abonnés maintenant, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on vous réserve une surprise avec les Yo-Kai Watch prochainement. Donc on vous dit pas tout, hein. C'est une surprise. Alors cette vidéo est déjà terminée. N'oubliez surtout pas de mettre dans les commentaires si vous avez quoi. Si vous avez aimé la vidéo, oui, tout oui, simplement. Si vous collectionnez aussi des yokai, si vous en avez d'autres, mettez-nous, envoyez-nous aussi des photos par message privé. C'est sympa, on aime bien. Et surtout, mettez-nous, si vous les connaissez, bien sûr, le nom des yokai que nous ne connaissons pas. Parce que ça vient juste de démarrer, hein, donc on n'est pas expert non plus. N'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant des prochaines vidéos et des prochaines surprises, on vous dit ciao ciao. Ciao ciao les amis. Bisous bisous. Bisous. Bien.